Bonjour Antoine. Salut. Bien dormi? Oui, merci. On t'a pas trop embêté avec nos histoires hier soir? Non. Je dis ça parce que Marie-Jo avait l'impression qu'on t'avait pas très bien accueilli. Marie-Jo? Oui, la belle fille sympathique aux grands yeux clairs. La maman d'Olivier. C'est ma femme. Ah oui, oui. C'est quelqu'un de très sensible aux vibrations. Oui, bah écoute, non, vraiment, vous avez tous été très sympas. Ça me soulage. Non, en tout cas, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à te confier à elle. Elle est très psychologue. Ah bah, je te cherchais, tiens. Faudrait que t'aies donné un coup de main à Gilles pour les teintures. Alors, déjà levé? Bah oui. On dort bien à la campagne. Hein? Ah oui, si. Tiens, t'as du feu? Oui. Merci, vieux. Je t'en prie. non, vous pourriez le fermer la... Ils ont foutu la mustée là. Oh, dis donc. Je t'ai pas demandé. T'es né en quelle année? En 50, pourquoi? Oh, t'es porc. Faut que je regarde dans mon horoscope chinois. Je te donnerai tous les détails. Hein. Si tu veux, je peux te faire ton thème. Tu sais l'heure exacte de ta naissance? Non. Oh. Oh, dis donc. Oh, la Java là-dedans. Tiens, touche. Ah, ouais. C'est pour quand? C'est pour ce mois-ci. Ça sera une fille, alors, à yeux bleus. Mais t'en es sûre? Tiens, c'est écrit là. Là. Tiens, regarde. Ça, c'est le père. Comment tu le trouves? Ah oui, il a l'air sympa. Ouais, c'est un ethnologue américain. Je l'ai rencontré au Zimbabwe. Oui. Oh, c'est à toi ce truc-là? Oui. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est extra. Je te le pique. Oui, si tu veux. Allez, salut. Salut!